Bonjour à tous, c'est Pietro et j'ai... Non, bah, c'est bon, il fait son intro. Tu... Pietro ? Oui ? Viens ici. T'es où ? T'es où, espèce de sac ? Je viens à manger mon dino. Ok, celui qui est en haut ? Oui. Très bien. Non, tu me tires pas dessus. Mon intro, merde. Ça va? Bon, bah attends, je me casse avant qu'il me fasse le cul. Ouais, ça tourne là. D'accord. Eh bien, bonjour à tous, c'est Willy Gemon et donc bienvenue, très chers amis. Non, mais y a pas de problème. Dans un nouvel épisode d'Arc. Pas du tout. Et donc, je suis avec Pietro. Bonjour Pietro. Bonjour à tous. Regardez-moi ça, le cul magnifique de ce Pietro. Qu'est-ce que tu jettes? Ah, les trucs à métal qui ne servent à rien. Donc, chers amis, pour vos commentaires, on a été extrêmement touchés hein, par tous vos commentaires, notamment un commentaire qui me disait que de mettre les dinosaures herbivores en passif, c'est une grosse erreur. Parce que pour le coup, quand ils se font attaquer, bah, ils se défendent pas. Donc c'est bon à savoir, pour la suite je le saurai. Et donc, autre petite chose, évidemment, on m'a aussi dit que ce serait bien d'apprivoiser les carnivores, afin qu'ils puissent défendre les herbivores. Ce serait la logique. Mais pour le moment, ce n'est malheureusement pas le cas. On n'a pas vraiment de quoi tamer des carnivores pour le moment. Donc bon, on le fera après, vous inquiétez pas. De toute façon, on le fera quand la maison sera construite. En parlant de la maison, tiens, vous voyez que j'ai actuellement plusieurs levels. Alors, on va mettre un dans l'énergie. Un autre dans la vitesse. Hop. Et voilà, je suis actuellement level 61. YOLO. C'est trop ? Ouais, oui, vas-y. Ah, je sais pas, tu as l'air de m'en vouloir un petit peu. Ah non, du tout. Du tout, bon. Je sais pas pourquoi je sens la couille, mais admettons. Alors, il faut savoir que... Tu sens la couille, bah dis donc, t'as une drôle d'odeur. Ouais, comme tu dis. Alors, il faut savoir que Pietro a un nouveau dino, qui est celui-ci. Alors, pour le coup, il l'a fait en off, étant donné que moi, je m'en étais tamé un, hein, ça servait à rien que je filme son tam à lui. Alors, lui, il s'appelle Bowser, voilà. Bowser, parce que c'est une tortue avec des cornes partout, donc Bowser. Et moi, le mien, il s'appelle Connard. Pourquoi? Parce qu'il se traîne. Et à chaque fois que je vais chercher quelque chose, je lui dis « Allez, viens, connard !» Du coup, bah, au lieu de l'appeler Métallo l'Ankylo, il s'appellera Connard, c'est tout. Ah, au passage, j'ai une lumière bleue, je vais aller la récup. Et donc ensuite, chers amis, on va aller donc dans la maison, on va aller à l'emplacement où j'ai prévu de construire la maison. Pourquoi? Parce que je me suis un peu concerté avec Pietro, et il s'avère que j'ai regardé une vidéo. Une vidéo de construction de maison. Alors je vous donnerai pas le lien, vous la reconnaîtrez peut-être, hein, mais je vous donnerai pas le lien parce que en fait la maison je vais la modifier à ma sauce. Ça m'a juste donné les bases, c'est tout. Sachez tout de même que la maison sera assez grande et ce sera un parc casino en même temps d'être une maison. Enfin bref, vous allez comprendre ça, je pense. Donc voilà, Pietro, faut parler quand même. Tu parles pas beaucoup. Non mais y a aucun problème, t'inquiète pas, je vais parler un jour. Un jour, quand il ne sera plus salé. Ma vengeance sera terrible, tu sais. On a une selle d'ichthyosaure ou pas? Le mec s'en fout complètement. Quoi. Non, ma vengeance sera terrible, t'inquiète pas, j'ai entendu. Mais bon, ta vengeance. Pff. J'ai l'habitude de me faire tirer dessus. Hein. Non, ah. T'inquiète pas, c'est pas toi qui va prendre. Quoi? Comment ça, c'est pas moi qui va prendre? Little Billy. Non. Little Billy, troisième du nom. Non, pas mon Billy. Little Billy. T'as rien fait à mon Billy? Bah non, mon Billy va très bien, qu'est-ce que je te raconte comme connerie? J'ai dit sera terrible. Ah, d'accord. du coup, attendez, je regarde juste si jamais on a T'inquiète une scène pas, vers 4h du matin, tu seras en train de t'endormir tranquillement, peut-être, après ton petit porno du matin, et puis là, j'arriverai, je me connecterai. Et après, j'irai avec le radeau en plein milieu de l'océan et je lâcherai Little Billy. Non, t'as pas. Bon alors, tiens, tu fais ça, crois-moi que ton malaise général, il va s'écraser en mer, mais pour une raison bien précise. Ou non, en fait, ce que je peux faire de mieux, c'est fais donc gaffe. Je te conseille. Non, mais attends, je te conseille de faire gaffe.
que je peux faire? Il est C'est que chargé. je peux prendre ton corps, le traîner jusqu'au milieu de l'océan, le balancer à la flotte, détruire le lit et me barrer. Comme ça, je serai à couvert. Tu n'oserais pas faire ça. Non, du tout. Tu me connais. Ouais, justement. Non, je t'ai pas tiré dessus, j'ai tiré en l'air. Alors, hein, s'il te plaît. Bon, alors chers amis, on va donc aller à la maison. Vous pouvez voir que je me suis fait une réserve assez conséquente de pierres. J'ai tout un Donc tu coffre sais, qui il a est... besoin d'un trou du cul là, je pense. Non, 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 pas du Il tout. lui manque un trou là, Non, à non, cet il lui manque pas endroit-là. trop. Arrête tes conneries. Entre les deux. Ouais, entre ici là, juste là. Et donc vous voyez que j'ai aussi une réserve de bois et de branchages absolument gigantesques. Sachant que, bien évidemment, Tiens, j'en ai ici... testé un truc sur toi, je peux ou pas? Non! Ça Ici, vous fera voyez pas que j'ai mal. beaucoup de... Ça fera pas mal. Non, je te jure, ça fera pas mal. Te connaissant, des choses qui font pas mal, j'en connais pas beaucoup, hein. Je sais, merci, c'est un compliment. Non, pas du tout. C'est même tout le contraire, si vous voulez tout savoir. Non, ça marche pas, je pense. Ah, peut-être Ah que si. si! Ah, c'est génial! Sérieux? Ah, c'est trop stylé! Oh, putain, pour 30 secondes en plus? Oh, c'est la violence, c'est... C'est génial en vrai! Bon, c'est génial. Lâche-moi! Détache-moi tout de suite! T'es touché ou pas? Oui. Je suis pas désolé. Non! Non! Pietro, tu fais pas le con! Oh! Il m'a cassé mon casque en chitine. Ouh, ça fait mal! Ah! Je peux bouger! Ah merde, raté le radeau! Oh putain, l'enculé! Maintenant c'est mon pantalon qui prend. Tu m'emmerdes, je te jure, tu me casses les doigts! La preuve, mon pantalon, on a explosé tellement tu me les casses! Donc, chers amis, on va réparer tout ça maintenant que Pietro a fini ses conneries. Enfin, j'espère pour moi. Hop. T'inquiète pas. Ce C'est qui est... parce que tu m'as tiré dessus une deuxième fois que j'ai tiré une fois dessus. C'est bon. Sachant qu'il y a un truc qui est bien, c'est qu'on n'a pas forcément besoin d'avoir les engrammes pour réparer les armures. Vous voyez, le casque et le pantalon en chitine, je les ai eu dans des... Je les ai eu dans des lumières. Et j'ai pas les engrammes de débloquer, mais je peux quand même les réparer. Ça, c'est plutôt cool, sympa. C'est plutôt Espèce sympa. d'illuminé, va. Cool, sympa, bonheur, je trouve. Alors, donc, chers amis, comme vous avez vu, j'ai une collection assez conséquente de trucs en tout genre. Et merde. Pietro, tu pourrais... Non. Parce que là, je crois que Voilà, si... voilà. Je crois que si jamais je fais ça... Bah oui. Évidemment, Billy est un sac, alors... Non, Billy me suit? Mais non, Billy me suit pas. Mais qu'est-ce que c'est que ce dé... Très bien. Admettons, écoute, je suis plus à ça près. Hop, serait-il possible de conduire le radeau? Oui, merci. Non, sans déconner, t'es sérieux? Je suis glitché dans ton radeau? C'est une blague? Je peux plus rien faire! On va peut-être péter la rampe. Hein. Là, ça passerait, vous croyez? Vas-y, avance. Ah non, ça bon, ça va. En fait, c'est Billy qui gênait. Qu'est-ce que t'as fait? Quoi? J'ai eu mal. Je sais pas où, mais j'ai eu mal. Non, j'étais en train de conduire l'autre ado pour que je te simplifie la vie. Bon, si tu me crois pas après, hein. Tu me mens, c'est pas dans ton genre de me simplifier la vie. Et tu peux pas me dire le contraire, pour le coup. Moi aussi. Bah non, pour voir mon... Donc, chers amis, je vais vous montrer où est-ce que j'ai prévu de construire la maison. Voilà. Billy est rangé. Ah. La queue de Billy me casse les couilles, on peut se mentir. Ah! Bon, d'accord. Très bien. Heureusement, y a pas de dino trop dangereux dans ces eaux-là. Donc, c'est très bien. Hop. Allez, go. Allons donc à la maison. Enfin, à l'emplacement prévu de la maison. Je l'ai déjà montré à Pietro. Il est d'accord, donc c'est parfait. Non. Comment ça, non? Tu te fous de ma gueule ou quoi? Oui. Un jour, je vais quitter Willy & Co. Et tu te sentiras seul. Très seul. Mais ce sera tellement bon. Donc bon, vous allez voir ça. Ça va pas être compliqué. Compliqué, pardon. Hop. Là bon, notre maison, c'est toujours prévu qu'elle soit là-bas. Sauf que vous vous rappelez, il me semble qu'en épisode, on avait vu des ruines. Et ben en fait, la maison sera à côté des ruines. Bah oui, parce que... Si c'est pas à côté des ruines, bah c'est pas drôle. Donc... Ce sera à côté des ruines, sachant que j'emmène Billy pour une raison. Hein. C'est lui qui va être mon... Comment dire? Souffre-douleur? Hein? Souffre-douleur?
Mon quoi? On souffre douleur. Mais non, c'est lui qui sera mon porteur attitré. Il peut porter 500 kilos le bestiau à un moment, bien qu'il bosse quand même. Ah, comme moi, quoi. Tu peux porter 500 kilos, toi? Ouais. Ben putain. Et tu résistes même pas une flèche dans la tête? Enfin, une balle dans la tête? Franchement, tes levels ont été mal dépensés. Je serais toi, je me suiciderais. Je me recommencerais à zéro. Ah non, mais Voilà, vraiment. le lit est cassé, c'est bon. T'es sérieux? Qu'est-ce qu'il est con celui-là. T'as plus qu'à mourir. C'est ça. Je suis sur l'autre île, bonne chance pour me trouver. Même si jamais tu sais déjà où je suis, techniquement, mais bon. Voilà quoi. Oui, mais bon, quand on est con. Oui, Voilà. c'est toi qui l'as dit, hein, j'invente rien. Donc bon, chers amis, en fait, on va se retrouver. Vous allez voir, je vais vous montrer. Alors, pour être compliqué, et donc on va enfin pouvoir commencer quelque chose d'intelligent. Lol. Oula. Ça va, ne rajoute pas, tu fais chier. On n'était pas prêt, on n'était pas prêt. Ouais, je sais, mais bon, que veux-tu? Faut bien que j'essaie de vous surprendre un peu quand même. Tout ceci devrait bien se passer. Je me demande, est-ce que j'ai encore de... Ah non, je l'ai plus. Oh bah, il y a une lumière qui apparaît juste à côté de là où je suis. Enfin, je crois que c'est à côté. Hop, voilà. On va mettre le radeau comme ça. Et donc, on va commencer à charger Billy. Alors. Hop. On peut en prendre quelques stacks déjà. Tac, tac, tac. Voilà. Alors, je suis pas certain que là, j'en ai pas un peu trop déjà. Parce que là, il a tout de même un bon gros poids. Il a un poids de 175 quand même. Hop. 475, ça risque d'être un peu beaucoup là quand même. Parce que moi, je peux avancer, mais c'est limite quand même. Hop. Toc, toc, ok. Et donc vous voyez bien entendu que j'ai préparé quelques trucs déjà, notamment 21 fondations, hop, qui font 84 kilos. Alors, 21 fondations en pierre qui font 84 kilos au total. C'est des fondations, quoi. Et les murs en bois, 33, ça fait 132 putain de kilos. Et je suis trop lourd, galère. Et là, évidemment, il veut pas bouger, lui. Oh, quel sac. Ah bah, mais non, mais... Billy, Billy, j'ai besoin de toi, Billy. Hop, merci, Billy. Hop. Oh, laissez-moi. L'aventure est trop chaud. Tu te fous de ma gueule ou tu le fais exprès, sérieux? Oh, j'ai pu en mettre que 10. Ok, très bien. Billy, on jette, Billy. Ah, laisse-moi sortir, Billy. Ah, oh, c'est pas possible, ça. Où est-ce qu'ils sont, mes murs? Où sont mes murs? Ah, mes murs sont là. Eh, Billy, tu m'emmerdes, quand même. Hein, un peu de tenue. Hop, voilà, merci. Bon, les murs pour le moment, on va les mettre là. J'ai juste besoin des fondations avec un peu de bois. Hop, putain, je suis encombré, t'es sérieux là? Mais quelle galère, je te jure. C'est bon, avec 100 de bois, je suis pas encombré, je peux courir? Non, je peux pas courir. Bon. Eh bah tant pis, on fera un deuxième tour. Hop. Alors, Billy, tu me suis. Si t'arrives à marcher. Non, c'est ce que tu dis. Hein? C'est très tendancieux ce que tu dis. Tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Je suis encombré, c'est ça? Je peux pas bouger? Si, un peu quand même. Bon, on va le délester un peu, Billy, parce qu'il a l'air d'avoir du mal, le pauvre Billy. Enfin, le pauvre Billy. C'est moi qui le cherche comme une mule, hein, techniquement. Oh putain, qu'est-ce que c'est chiant. Je te jure, Billy, je vais te tirer dessus. Hein. Allez, suis-moi, c'est bon là, tu peux. Bon, et eh bah ben, vas-y, mets le temps que tu veux. Moi ici, j'ai une lumière, je vais en profiter. J'ai chaud. On fout le chaud. Hop, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Un schéma de lance en métal. On fout, on a déjà un schéma chez nous. Alors, donc, pour la maison, j'ai prévu de m'installer... alors, attendez. Où est-ce que c'est déjà? Parce que oui, j'ai perdu le compte, je voulais m'installer, je suis un tocard, évidemment. C'était à côté des ruines. Mais où sont les ruines, me direz-vous? Ah, il galère, par là, on peut pas passer. Oui, parce que là, si je me cache le moindre truc, bah je suis salé, donc bon. Mais où sont ces foutues ruines? Ah, elles sont là-bas. C'est bon, il me suit, Little Billy, ou il fait quoi, là? Billy? Billy? Eh oh! Billy a un mal de chien, mais il arrive.
Quand il arrivera, ce sera la fin de l'épisode, mais c'est pas grave. À défaut de faire sans, on sera bien obligé de faire avec, de toute façon. Hop. Donc, vous allez voir que j'ai déjà tracé le pattern. Ce qui est bien, on va pas se mentir. À savoir, ici. Oh, j'ai cru qu'il y avait... J'ai cru que ce rocher était un dino. Mais on voulait pas, c'est la vie. Je suis d'un naturel trouillard, moi. Il y a un moment, voilà. Oh que oui. Mais tais-toi, toi. C'est parce que t'es pas à côté de moi que je peux pas t'en coller une, hein. Oh. Bah essaye. Quand je reviendrai, tu vois. Oh, c'est trop mignon. Donc, chers amis, voilà la superficie que fera la base. Sachant que, bien entendu, ce sera pas tout. Ce sera pas tout, hein. En fait... Ah, putain, je sais pas comment expliquer ça. Je sais pas comment expliquer ça, ça me rend fou, donc... Vous Répète verrez... après moi, je suis nul en building. Mais si jamais je suis nul en building, pourquoi me laisses-tu construire? Parce que c'est marrant. Ah, c'est marrant que je sois nul. Bah oui, parce que c'est quand même ta chaîne, faut que tu leur montres que tu es fort, que tu as des idées, que c'est toi qui portes la chaîne en gros. Que moi je suis juste là en tant que gros vacancier qui veut juste te faire chier quoi. Pardon, je me suis trompé C'est ce que tu lui as dit hier soir? de touche. Tout à fait. Tout à fait, quand j'étais sur YouPorn. Bon, bref. On va s'arrêter là. Non, t'étais sur du porc. Non, sur YouPorn, en douille. C'est Oh là toi le... là, ce placement de C'est produit. toi le porc, enfin. Ouais, mais le porc épique. Billy, ça suffit, tu arrêtes. Alors, donc... Le porc qui pique n'importe quoi. Voilà. Donc là, en fait, pour l'info, ici, là, je peux absolument rien mettre à côté. Là, vous voyez que je ne peux pas. J'ai fait en sorte un peu au hasard, je vais pas vous mentir, que ce soit mis comme il faut. Parce que bon, faut pas déconner quand même. Hop. Là, 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 là. Il me reste 4 fondations. J'aime quand ça vole en éclats comme ça. Oh, ça me rend tout chose. Hop. Là. Ça, c'est fait. Alors, on va en construire d'autres. Rassurez-vous. Billy, qu'as-tu sur toi? Ça nous rassure pas. Évidemment que ça ne te rassure pas. Billy, tu as des pierres sur toi. Les pierres, c'est intéressant, Billy. Tac, des Les fondations, non. pierres, c'est intéressant, Billy. Tout à fait. Sérieusement. Le type parle à son dino. Bah quoi? À défaut de parler à quelqu'un, hein? Faut bien que je parle à mon dino. Hop, ça c'est fait, donc une fondation en plus, c'est très bien. Hop. Étant donné que tu veux pas venir avec moi quand je construis pour voir les efforts que je fais, parce que j'essaie tout de même de faire un truc classe pour que tu sois fier de moi. De toi, Oui, fier de moi, tout à fait. mais je peux pas ça. Bah oui, pourquoi tu crois que ça me fait si mal? Bah parce que t'as pas mis de vaseline. Oh, t'es dégueulasse. T'es vraiment immonde. Quoi? Espèce de salope. T'as pas le droit de me faire Ah, t'es une pute, ça se Qu'est-ce que fait j'ai fait? pas. Ah, oh, ça se fait tellement pas. Salopard. Je comprends pas ton point de vue. Je C'est suis ça. désolé. Y a pas grand-chose que tu comprends. Hein. Décidément. C'est pas faux. Bon. Donc, cette maison-là, pour le coup, on va la détruire. Hein. Ça, elle me sert absolument à rien. Hop, comme ça, je peux me construire déjà 3 fondations, c'est bien. Et bientôt beaucoup plus par la suite. Hop. Une fondation. Deux fondations. Ah, égal, je peux bouger là. Pof. Et 3 autres fondations. Ouh. Ouh, c'est buggé cette histoire. Les fonda. Eh merde. Les fondations. Voilà. M'en fait 3. Merci. Alors, maintenant, on va virer tout ça. Parce que pour le coup, ça sert absolument à rien que ça soit là. Mais ça, on va le virer après. On va le virer après, on va pas le virer maintenant. Parce que sinon, c'est pas drôle. Hop, allez go.
Une fondation. Hop. Deux fondations. Et je suis encombré. Hop. Et trois autres fondations. On va s'arrêter à 9 parce que sinon je crois que mon perso il va pas tenir, son cœur va lâcher. Hop. Trois autres fondations pour le Willy. Hop. Et on va se diriger par là-bas. Alors il faut savoir que j'ai un plan. J'ai un plan. Je fais pas ça totalement à l'impro. Pietro a vu le plan. Peut-être que je vous le mettrai au montage si je suis pas un sac et que j'ai pas oublié. Parce que oui, ça peut toujours arriver. Donc, vous inquiétez pas. Ça va se. Quand il dit ça peut arriver, c'est que ça va arriver. Hein. Bon, ça c'est pas dit. Ça. Il suffit juste que je me mette un pense-bête comme quoi je ne dois pas oublier le plan et je ne l'oublierai pas. Sauf que le pense-bête pour moi c'est un peu compliqué, étant donné que je suis pas bête de nature. Enfin. Après, tout dépend à qui vous demandez, évidemment. Hein. Si vous demandez à une certaine personne qui est ici présent et qui s'appelle Pietro, là, tout de suite, voilà quoi. Moi je suis pas très objectif. Évidemment que t'es pas objectif, tu joues. Vu que je te connais depuis très longtemps, ouais. Je ne peux pas. Comment dire? Tu ne peux pas quoi? Tu peux pas faire grand chose a priori. Hein. Ah la violence d'un homme. Bon, alors. T'es méchant? Non, je suis réaliste. Donc. Oh la te pu, comment elle est réaliste? Tout à fait, tout à fait. Bah qu'est-ce que tu crois? Attends. T'es pas le seul à me connaître depuis longtemps, hein? Toi qu'en général ce truc là c'est réciproque. Si tu me connais, je te connais aussi. C'est la réciprocité. Bah non. Bah si, en général, c'est comme ça que ça se passe. J'ai déjà vu en photo et alors que. Enfin je t'ai déjà vu en vrai même. Alors que tu m'as même pas vu. Tu m'as jamais vu en vrai, qu'est-ce que tu racontes comme connerie? Si. Oh non non. Si. Non non, ce que t'as vu c'était un montage Photoshop en direct. Eh oui, t'as cru quoi? Que ce beau gosse c'était moi? Ah, t'es vraiment crédule. Bon. Hop. Non, c'est pas là. C'est pas là, c'est pas là. Alors, on va prendre hop, quelques bois. On va virer quelques branchages. Hop. Voilà. On va mettre ça ici, pour le coup. Voilà, merci. Les 200, vous allez ici. Voilà. Donc, le bois, c'est cool. Donc là j'en ai 2,5. Tac tac tac. Alors attendez, est-ce que j'en ai donné 3 à Billy? 3 à Billy, donc 150, ça va me. Il galère, le coffre est plein. Toi, tu vires. Toi, tu vires. Merci. Ça c'est fait. Niveau place, je suis assez blindé, mais il me faut des branchages quand même. Petit choupinet. Il me faut des branchages. Bah j'essaie de faire ce que je peux. Hein. Ça me suffira certainement pas, mais bon. On va dire que si, de toute façon pour le moment j'ai pas trop le choix. Je peux prendre. Non, ça je peux pas. Puis-je me prendre des murs éventuellement? Autrement que dans la gueule, ce serait gentil. On va monter jusqu'à 250. Quoique, non, je suis déjà encombré. Hop, voilà, là je devrais pouvoir courir. Voilà, bon! Ça va se faire, c'est juste que ça va mettre un temps fou, c'est doux. Eh ouais, malheureusement, Billy n'obéissant pas totalement à mes ordres. Quand je lui dis de porter 2 tonnes, il vaut pas, donc bon, à un moment, voilà quoi. Pas trop le choix que de me fatiguer moi-même à force. Hein. Ils font pas des chaînes ici. Tu sais, genre, tu mets un objet sur la chaîne et ça le monte. Ça le monte jusqu'à l'endroit choisi, non? Ça fait pas ça? Non, je ne pense pas. Oh, tu me déçois. Tu me déçois beaucoup même. Hop, allez go, on va accélérer un peu. On vous fait toutes les baies qu'on a. Là! Là, ma bouffe devra remonter pour un moment, je pense. Donc, bon, je sais, pour vous, c'est pas extrêmement intéressant. Mais en off, je vais essayer de faire plusieurs coffres que je mettrai sur la maison, comme ça, j'aurai pas besoin de faire des milliards d'allers-retours. Je les ferai en off. Et je suis fatigué, lol. Je les ferai en off, comme ça, ce sera beaucoup plus intéressant pour vous, je pense. Donc voilà, juste à côté des ruines, hein, rien de bien bien compliqué. Et donc nous allons nous construire d'autres fondations.
Parce qu'à ce qui paraît, c'est utile d'avoir des fondations dans ce jeu. Donc. Hop. Alors, tu vas me donner toute la pierre que tu as en ta possession. Hop, hop. Engramme. Les fondations. Ne gueule pas contre moi, Billy, c'est pas de ma faute. C'est pas de ma faute si t'es un sac. Que veux-tu que je te dise? À un moment, voilà, quoi. Hop. Tu veux bien me mettre ça là, non? Non. Très bien. Et là, tu veux? Oui, là, tu veux. Hop. Et Billy vient de chier devant moi en mode irrespect total. Parfait. Ah, je peux pas bouger! Je suis trop plein. Bah oui, tu m'étonnes que je suis plein. Alors, Billy, tu reprends tout ça. Voilà, tu reprends ça et tu reprends ça. Et j'ai ça pour une raison qui m'est obscure. Hop! Ah, il est là! Oh putain, mais foutu le poule. Ah, ça va pas, non? Peur comme ça aux gens, tu viens voir ce que je fais, c'est ça? Je croyais que ça Tout à t'intéressait. fait. Je croyais que ça t'intéressait pas. Oh, tu sais, moi. Ouais, c'est ça. Tu n'as aucune parole finalement. Qu'est-ce que tu fais? Je viens t'aider. Ah, il vient m'aider! Ah, oh, si, tant pis! Non, mais t'as pas besoin de la pierre, j'ai tout ce qu'il faut dans le radeau. Si tu veux m'aider, tu peux aller en chercher éventuellement. Moi, je dis ça après. Donc, l'autre baraque, elle est là, a priori. Donc voilà, cette baraque-là, pour le coup, je vais la démonter, ça m'évitera de faire des allers-retours à ne plus savoir quoi en foutre. Tout ceci devrait à peu près bien se passer, pour moi. Est-ce que je peux monter là? Oui, je peux monter, c'est parfait. Hop, donc. Ça vire. Ça. Ah, il galère. Très bien, je suis coincé. Maman, j'ai besoin d'aide. Hop, ça vire. Pof. Là. Je suis encombré, voyez-vous ça? C'est pas du tout étonnant. Les fondations. Les fondations, les fondations. Je peux en faire une. Lol. On va aller très loin avec ça. Bon, alors les murs, on va les virer. Hop, si mes calculs sont exacts, un mur suffit à me faire. 4 murs, pardon, suffisent à me faire une fondation, si je dis pas de bêtises. Toi, Il est la où le mouette, radeau? tu vires! Hein? Il est où le radeau? Le long de la mer. Je ne saurais pas dire où exactement, mais le long de la mer. Tout ce que je peux te dire. Voilà, je suis désolé à un moment. Bon, on va augmenter le poids, hein, parce que pour le coup, c'est ça qui me fait le plus défaut à l'heure actuelle. Alors, les fondations. Fondation, c'est bien ce que je disais. Hop. La 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 la. Mais il est où le radeau, putain? Le long de la mer, je t'ai dit. Tu ne m'écoutes donc jamais? Je vais venir, je vais te montrer. Vu qu'a priori tes yeux ne fonctionnent pas bien, pas trop le choix. J'aurais bien aimé le mettre plus près, mais on n'a pas encore inventé les ascenseurs, donc. Je suis encombré, hein, comme c'est curieux. Hop. Ça c'est fait. Et je peux totalement plus bouger. Parfait. Alors, d'autres fondations, s'il vous plaît, monsieur. T'es où? Moi, je suis. Côté de. Bah, tu te rappelles l'ancienne maison? Ouais. Bah, je suis en train de la démolir. Ok. À côté des ruines, je mets une bibliothèque pour toi. Pourquoi une bibliothèque? Pour que tu puisses stocker. C'est pas les bibliothèques qui me font stocker. Je peux rien stocker avec les bibliothèques. Les bibliothèques, c'est juste pour Non, une les. grande armoire, pardon. Ah oui, tu me fais peur. Bon, ça c'est gentil. Ça, c'est gentil, j'avoue, t'es pas totalement inutile. Un peu quand même, mais bon. Personne n'est parfait.
Tac, tac. Oula. Tac, 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 tac. Une autre ou deux autres. Deux fondations en pierre. Parfait. Allez, go. La maison est démontée. Je reviens. Enfin, si je peux courir, parce que jusqu'ici, c'est mal barré. Oui, je peux courir. Oui, je peux même sauter. Alors, la. Par contre, Pietro, je Oui. t'assigne à résidence. Hein. Une fois que j'ai commencé à construire la maison, alors Pietro, je t'assigne à résidence. Qu'est-ce qu'il fait? Il se barre. Mais alors, le plus loin possible. Pourquoi? Pourquoi tu t'en vas? Je surveille. Je voulais juste te demander de me construire un. De construire un. Comment dire? Un chemin en fait qui va d'ici à en bas. C'est possible? Oui, Un non? chemin, Oui, un chemin. c'est-à-dire Bah, un chemin, histoire qu'on s'emmerde pour faire tout le tour. Un pont, quoi, si tu veux. un chemin qui va d'où à où? Bah, qui va du haut de la falaise, admettons ici. Admettons ici et qui descend en bas. Après, tu sais, juste une échelle, un truc du genre. Histoire qu'on n'ait pas à s'emmerder à faire tout le tour. Non? Oui, peut-être. Hein? Flemme. Flemme. Ah bah bravo, tiens. Donc là, en fait, chers amis, ça, ce sera le pourtour, mais c'est pas fini. C'est pas fini parce que, en fait, les murs vont être, les murs vont être entre guillemets triplés. C'est-à-dire que là, ça va donc faire trois épaisseurs. Ici, ça va faire seulement deux épaisseurs. Hein. Et ici, ça va faire trois épaisseurs, sachant qu'ici, ce petit coin-là ne fera qu'une seule épaisseur. Vous comprendrez pourquoi par la suite. Hop. Je pourrais faire ça à deux épaisseurs. On verra par la suite. On verra par la suite, mais pour le moment, c'est très bien comme ça. Donc, tu sais très bien, on va laisser. Tu m'as mis une armoire. Qu'est-ce que tu m'as mis dedans? Rien du tout. Rien. T'étais un sac, n'est-ce pas? Oui. Dis-moi que tu es un sac, merci. Ça J'ai me donné un rappelle. petit nom. À qui? T'as donné un petit nom à mon Billy? Bah non. T'as À donné. l'armoire, crétin. Ah! Qu'est-ce que. Lily, j'ai mal de terre! Quoi? C'est censé être drôle? Non, je comprends pas. T'as rigolé au début. Ça marche. Oui, mais non, c'est pas parce que j'ai rigolé que c'était drôle. Hein. Non, T'as non, mais. rigolé au moins par pitié. Oui, même par pitié, le mot est faible. Ok, donc. De dehors, ouais. De dehors, je veux que ça fasse comme ça. Donc, ça, c'est bon. Alors. Hop. Alors, ensuite, ça va là. On verra les murs après. On verra les murs si jamais ils nous dérangent. Mais pour le moment. Tac. Voilà, et donc là, parfait, ça colle impeccable de frein. Hop. Voilà, alors bon, j'aurai pas de quoi faire tout le tour, je sais. Mais vous inquiétez pas, ça aussi c'est prévu. Et j'en ai plus, c'est parfait. Bélé! Ah, oui, bon. Ya, Bélé! Hop, merci Billy. Alors, Billy, tu as beaucoup de choses dans ton inventaire, je crois. Oh oui, même beaucoup trop. À mon avis, les trois quarts des baies, je vais les virer, parce que ça sert absolument à rien que t'en aies autant. C'est quoi? Vas-y, YOLO, on récupère tout. Voilà. Je suis encombré, voyez-vous ça. On va lui mettre deux baies de chaque. Hop, sachant que, bien entendu, toutes les baies, on va les mettre à 100. Voilà, comme ça c'est fait. Les bleus, on va faire la même. Donc, voilà, comme ça, au moins il aura de quoi bouffer pour un moment, je pense. D'autres bleus. Mais tu m'aurais dit que j'en aurais pas d'autres. J'aurais peut-être pété un câble sur ce coup-là. Toc, toc. Allez, vas-y. Bon, on va me faire ça pour celle-là. Voilà, ça c'est fait. Hop. Toi, tu vas là, d'autres jaunes. J'ai pas d'autres jaunes?
Ah, bah si, j'en ai d'autres jaunes, qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que tu racontes comme bêtise? Voilà, ça c'est fait. Les Steamberry, j'ai largement assez pour lui en mettre deux. Voilà, comme ça, il peut rapporter beaucoup plus de poids. Et dans le pire des cas, si jamais il a faim quand je me connecte, ça me prendra pas longtemps pour lui en remettre. Hein. Ça, c'est clair que. Hop, et puis donc, on va lui mettre des Mejo Berry. Voilà. Alors, ensuite, ça vient. Hop. Juste ça, au cas où j'ai faim. Il fait noir ici. Hop, un petit gamma 3 et c'est réglé. Ok. Pof, 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 pof. Ok. Allez, Billy, tu me suis. Voilà, là, il est assez rapide pour le coup. Ça fait plaisir. Limite, je suis sûr, il me rattraperait presque. Bon, presque, hein, parce qu'il est extrêmement lent en soi, mais bon. Voilà. De toute façon, j'ai pas trop le choix. Hein. Si jamais on se réfère à l'ankylosaure, c'est une tortue de bordel. D'ailleurs, pour ça que Pietro a appelé le sien Bowser, je tiens à le dire. Techniquement, c'est une tortue bourrée aux hormones. Tout à fait. Bourrée aux hormones de cocaïne, même, je dirais. Tout à fait. D'ailleurs, pour ça que le machin, il a une énorme queue. Il peut casser des caillasses avec. À un moment, voilà quoi. Respect ou pas? Ok, Respect. je vois mon Billy qui arrive. C'est parfait. Ah, mais c'est toi! Je me disais aussi. Dis donc, on peut savoir ce que tu fais là? Non, tu me suis moi! Couillon! Toi, tu fais encore une fois ça, ton Malaysia Airlines, il va bouffer du plomb dans l'aile. Hé! Ça suffit, oui! Viens ici! Ah! Viens là! Viens là! T'as de la chance que je sois. Non mais! Va pas dans l'eau, espèce d'andouille! Mais mais reste là! Ma vengeance. En train de suivre Malaysia Airlines, mais non, je suis pas d'accord! Tu te tais! Billy, tu arrêtes, sinon je te castre! Non, en train de suivre Malaysia Airlines, de rien du tout. Arrête ça, je te dis. Ouais, j'arrête, c'est bon. T'as de la chance que j'avais plus de balles parce que. Bon, Billy, pour le coup, je t'ai pas ramené ici pour que tu fasses la causette avec Malaysia Airlines. Tant que tu viens là. Non mais t'es sérieux là? Tu vas me faire chier combien de temps? Très bien, tu le prends comme ça, parfait. Là. Ça va te prendre un certain temps de venir le chercher. Juste, faut pas que j'oublie où il est parce que. C'est bon, t'arrêtes de me faire chier, je te le ramène. Ok? Pietro? Mais qu'est-ce que. Mais qu'est-ce qu'il fait là, mon dino? Ah, mais il me suit! Ah, mais en fait, j'ai les deux dinos! Mais voilà qui est bien! Là! Fais bien attention à ce que tu fais. Parce que maintenant je résiste à tes coups de fusil. Hein. Donc gaffe, hein. Là, Billy, tu restes là. Tu bouges. Je t'enfourne ce que je pense, où je pense. Ah mais. C'est quoi ça? Hop. Me fais pas peur comme ça, t'es taré ou quoi? Ce serait des coups à te manger du plomb. Hop.
Alors, donc ça, je lui en donne 3, donc il me faut 6 pierres. Toc, 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 toc. Je suis encombré, mais je peux pas bouger, galère. Pof, pof. On peut savoir ce que tu fais là? Je nourris le mon Malaysia Airlines. Ah, j'ai eu peur, je crois que tu me fais tirer dessus. Parce qu'à un moment, je suis gentil, hein. Jusqu'à un certain point, quand même. T'es jamais gentil avec moi. C'est pas faux. Si jamais t'as cru que ça allait changer avec le temps, tu te mets le doigt dans l'œil, ça, je te garantis que. Faut peut-être pas trop espérer non plus. Hein. Ce genre d'espérance est mauvaise pour la santé, à ce qu'on dit. Puff. Ah, Malaysia Airlines, ça peut plus. Malaysia Airlines, je vous raconte, moi. Le poids, 516. Galère. Bon. Hop. C'est bon, je peux bouger. Suis-moi, toi. Ok, il est assez rapide, tout va bien. Bon, et eh ben, chers amis, dans la logique. Mais ça suffit! Stop! Pietro! Quoi? Tu vas m'arrêter ça tout de suite! Sous peine que je te l'enfonce tellement profondément dans le cul, mon bazooka! Mais j'étais en train de... Mais t'es con, quoi? Mon truc, il était en train de te suivre. Pourquoi? Ah, mais c'est parce que j'ai appelé mon truc parce qu'il était trop loin de moi. T'as de la chance que je tire en l'air et que je te tire pas dessus. Ça gaspille des balles, mais je m'en fous. Espèce de... Viens ici! T'as raison, barre-toi, vite! Je vais crever. Oh, oh non, non, attends, attends, y'a Malaysia là entre nous! Oh, salope! Vieille pute, je fais comment pour revenir, moi? Salopard! Oh, mais J'ai t'es appris l'engramme de sérieux? la tombe, je vais la mettre là. Quel salaud! J'ai dit que ma vengeance serait terrible. Ouais, mais t'as dit que ta vengeance ce serait sur Malaysia Airlines, sur mon dino, pas sur moi. T'as un torse qui est tellement sexy. Ah, c'est pas vrai. Il va s'accoupler avec mon cadavre, vite, faut que je fasse vite. Non, non, mais attends, c'est bon, je vais te le ramener au pire. Non, mais dans le pire des cas, tu vas me chercher avec ton Malaysia Airlines et puis tu me ramènes sur mon. Sur l'île, ça marche aussi. Hein. Enfin, je crois. Tu sais quoi, je vais me mettre sur le bord de l'île. Comme ça, tu me verras quand tu viendras. Ah, je vous jure, ce qu'il faut pas faire, hein. Faut que je me mette un lit sur place. Ok, bon, je suis sur le bord de l'île. En face de l'île où je veux être normalement, tu vois. Donc, viens me chercher. Et l'épisode s'arrêtera là. Quoi? Comme ça, ils ont un fil conducteur, les gens qui nous regardent. C'est-à-dire? Ils voient que tu essaies de jouer au con, et après, tu passes pour un con. Que moi, j'essaie de jouer au con? T'es sérieux? Toi qui m'as tiré dessus au début. Qui c'est qui vient me faire chier là T'es où? à siffler mon dino? T'es où? Je suis sur le bord de l'île, je te dis, je suis juste en face de l'île où on était avant que tu me tues lamentablement. Je vois pas. Tu ne me vois pas. En même temps, où est-ce que t'es? Est-ce que tu vois un pteranodon qui monte là comme ça? Oui. J'en vois même plusieurs pteranodons en l'air. Vas-y, essaie de descendre pour voir. Va à la maison de Ashram au pire. La maison d'Ashram. Ou alors, où est-ce qu'elle est, cette foutue baraque? Où est cette foutue baraque? Ah, je la vois. Ah bah je te vois aussi d'ailleurs. Ah, vas-y, prends-moi dans tes serres. Merci. Et maintenant tu me ramènes à la maison. Et tu te manges, hein! J'ai pas que ça à foutre, moi.
Sinon, je vole toute la bouffe qu'il y a dans Malaysia Airlines. Le pire, c'est... Ouah, tu lui as mis de ces quantités de bouffe, mon gars. Là, il est pas prêt de crever de faim. Hein. Et me lâche pas trop, sinon je vais me casser les tibias. Allez, lâche-moi là, si tu veux. Je serai dans l'eau, je crois rien. Oui. Je suis pas mort, tout va bien. Du coup, mon cadavre, tu l'as mis où? Je l'ai pas bougé, moi. D'accord. Bon. T'as du coup la moitié de mon stuff, il est pété, quoi, sérieux. Vas-y, je récupère tout. Oh, quelle galère. Bon, et eh ben, chers amis, c'est... Oh là 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 là. Ah bah oui, bah non. C'est bien pire que ça encore. BIM! J'ai dit que ma vengeance serait terrible. Je vais te faire rage quitte ce jeu. Bah, chers amis, cet épisode va s'arrêter là. Comme cette série. Comme cette série, tout à fait. Non, chers amis, cet épisode va s'arrêter là parce que Pietro est un connard. Et je peux pas respawn au lit, couillon. Ça respawn en sud, pas grave. Non. Normalement, je réapparais pas loin de mon stuff. Enfin, dans la logique, tout du moins. Donc voilà, chers amis. Je veux que la miniature soit tes cadavres. Non. Je vais prendre un screen, rien à foutre. Prends un screen, mais je le mettrai pas. What the fuck, c'est quoi? Il y a un gros glitch. Ah non, c'est bon. Toi, tu restes là, toi. Alors maintenant, je prends lequel? Ah, c'est dans celui-là qu'il y a tout. Couillon. Ah, je te jure, on n'est pas aidé. Donc, bref, chers amis, cet épisode va s'arrêter là. Mais non, mais galère. Mais non, mais... Oh, putain. Ça, c'est lunettes. Et dans celui-là, il y a quoi? Dans celui-là, il n'y a rien. C'est parfait. Donc, chers amis, cet épisode va s'arrêter là. J'espère que ça vous aura plu. Moi, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Jusqu'ici, portez-vous bien. Et bah pour le coup, je suis torse nu. Vive voilà. La nudité. Voilà. Bah oui, bah non, mais à un moment, je peux rien faire d'autre, moi. Donc voilà, très chers amis, je vous dis à très vite. Salut tout le monde.